Salut tout le monde, c'est Aliana. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors déjà je voulais vous souhaiter bonne année. Et j'espère que tous vos projets, tous vos souhaits vont se réaliser. Alors déjà cette vidéo je voulais vous la sortir le 31 décembre. Mais en fait j'ai pas eu le temps. Alors ben je vous la sors maintenant. Alors c'est la première vidéo de l'année. Alors cette vidéo ça sera un... En fait, ce sera la vidéo où je vais vous montrer mes cadeaux de Noël. Alors déjà, vous en... Alors désolé si j'ai coupé, c'est parce que ma mère m'avait appelé. Alors déjà, le premier cadeau que j'ai eu, c'est ce pull. C'est un pull serpentard. Attends, je vais vous le montrer dans un miroir parce qu'il faut que vous voyez le dos aussi. Alors oui, je sais, c'est un bas de pyjama que j'ai, mais c'est le secret des youtubeurs. C'est le secret des youtubeurs. Alors je vais vous montrer le dos. Bon, alors j'arrivais pas à filmer le dos dans la salle de bain, alors je vais vous le filmer, je vais vous soit vous mettre une photo, soit vous filmer quand je l'aurai enlevé. Alors là, je vais vous montrer les autres trucs que j'ai eu. Alors, j'ai eu un sweat. Attendez, je sais que je bouge beaucoup, mais voilà. Là, je vais arrêter de bouger. Alors là, c'est un pull comme ça, noir. C'est un Riverdale, voilà, comme ça. Et derrière, c'est comme ça. Alors, après, j'ai eu une BD des Sisters, c'est le tome 14. C'est cette BD là que je vous avais parlé dans ma vidéo, ma wishlist de Noël. Et dans ma vidéo où je vous expliquais c'était quoi les livres, c'est le tome 14 et c'est le Jury Craché Menti. Alors, pour ceux, genre... Pour ceux qui voudraient peut-être l'acheter, je vais vous lire ce qui est écrit derrière, genre là, comme il est derrière le livre. Alors, c'est les sisters se disent enfin leurs quatre vérités. Mais Marine découvre qu'il est très facile de mentir. Tant qu'elle mitonne sur le lavage des dents, ce n'est pas trop grave. Mais quand elle invente des trucs de plus en plus énormes, comme ses cheveux qui ne sont pas mouillés parce qu'elle les a lavés à l'eau sèche, ou lorsqu'un castor est entré dans la maison et a brisé la table basse, elle s'enfonce de plus en plus et ça prend des proportions énormes. Et si on ne la croit pas, on peut demander à la licorne de confirmer ce qu'elle dit. Voilà. Après, j'ai eu encore deux autres livres. Après, j'ai eu deux autres livres. C'est des livres du club des babysitters. C'est ces deux-là. C'est de ces deux-là, genre je vous en avais parlé de trois, mais j'en ai eu deux, mais c'est déjà bien. C'est de ceux-là que je vous avais parlé dans ma wishlist de Noël et pareil dans ma. Dans la vidéo, je vous explique de quoi parlent les livres. Alors pour le club de babysitter, il n'y a pas de tome 1, tome 2, tome 3, enfin si un peu, mais voilà. Alors celui-là, c'est inséparable. Et celui-là, c'est nos plus grands frissons. Alors, je vais vous lire parce que, en gros, je vous explique. En gros, c'est des livres, comme je vous disais, s'ils sont gros comme ça. Alors, il doit avoir 300 pages. Ouais, il y a un peu plus de 3... Il y a un peu plus... Il y a, on va dire, à peu près 350 pages. Et il y a trois histoires différentes. Alors, je vous lis le derrière de Inséparable pour ceux qui voudraient l'acheter. Alors... Mes amis et moi, nous avions à peine 12 ans lorsque nous avons fondé un club de babysitting qui a tout de suite eu beaucoup de succès. Nous vivons tant d'aventures ensemble que nous serons toujours amis. Dans ce livre, nous avons choisi de vous raconter comment nous sommes devenus inséparables. Ah, je sais, 12 ans, je sais même plus si je dis inséparable ou inoubliable. Je crois que je dis inséparable, mais je suis pas sûre. Alors, la première histoire, c'est Au revoir, Lucie. Je dois repartir à New York. C'est chouette de retrouver ma copine Len, mais je suis triste de quitter mes amis du club, du club et les enfants. Pour l'honneur de, la deuxième histoire, c'est pour l'honneur de Claudia. D'accord, je n'ai jamais été bonne élève, mais alors que j'avais bien révisé mon contrôle de maths, on m'accuse d'avoir triché, c'est trop injuste. Et la troisième histoire, c'est Christy et la fête des enfants.
Une parade costumée, j'ai plein d'idées géniales pour les déguisements des enfants, sauf que les autres membres du club ont aussi leurs avis. Alors oui, je pense quand je vous lis ça comme ça, vous devez vous dire ouais, c'est pour les enfants et tout, mais en vrai là comme ça on dirait que c'est pour les enfants, mais en vrai c'est bien. Je trouve que c'est pas forcément, enfin je pense pas que des adultes liraient ça, mais voilà. Enfin, moi j'aime bien, voilà. Et après, le plus grand frisson, en fait, le truc, genre mes amis et moi, machin, donc, quand ils parlent du fondement du club, c'est pareil pour tous les livres. Et en fait, la première histoire, c'est Carla et le passage secret. Depuis quelque temps, j'entends des bruits effrayants derrière le mur de la chambre. Et si la maison était hantée, nous allons devoir mener enquête. Et après, il y a Marianne et la malédiction. On m'avait pourtant prévenu qu'il ne faut jamais briser une chaîne de lettres. Depuis, le mauvais sort s'abat sur les filles du club des babysitters. Et la troisième histoire, c'est Mallory et la malle mystérieuse. Dans le grenier de Lucie, j'ai découvert une malle très ancienne où se trouvait un journal intime du 19e siècle. Il y est question d'un fantôme voulant venger sa famille. Alors, par là, en fait, sinon, à part ça, j'ai eu de l'argent et des chocolats, mais ça sert à rien que je vous le montre. Surtout que les chocolats, c'était Kinder et je les ai déjà mangés. Mais sinon, à part ça, j'ai fini de vous montrer ce que j'avais eu à Noël. Alors, voilà, attendez, je me remets bien. Alors, je préfère me mettre comme ça pour vous parler. Alors, je voulais vous parler de la chaîne. Alors, ouais, je sais, on voit un peu ma chambre dans la fenêtre là. En gros, je voulais vous dire, j'essayerai de vous poster. J'essayerai pas, de pas faire comme 2019 parce que en 2019, je vous postais presque jamais des vidéos. Genre, je vous postais des vidéos de temps en temps, mais c'est juste parce que je savais pas quoi faire. J'étais pas soit motivée pour faire des vidéos, mais là, je suis beaucoup plus motivée. Alors, j'ai essayé de vous poster une à deux vidéos par semaine. Deux vidéos, c'est pas sûr, mais minimum, j'essaie de vous poster au minimum une vidéo par semaine. Parce que vu que je suis à l'internat, c'est galère et tout. Mais j'essaie de vous en poster minimum une. Et je pense au niveau de la chaîne, à partir de 2020, ça sera un peu mieux. Genre, je pense que la chaîne va s'améliorer. Et aussi, j'ai plusieurs projets dans l'année. Pas forcément en rapport avec la chaîne. Enfin, ouais, je pense qu'ils sont tous pas en rapport avec la chaîne. Presque tous. Alors. Si j'ai l'occasion d'en reparler, je vous en reparlerai. Mais ce sera pas pour tout de suite, mais ce sera pour 2020, vers la fin 2020 ou milieu 2020. Et même si elle était un peu nulle et mal faite, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah oui, et aussi j'ai oublié de vous dire un truc. Vu qu'aujourd'hui on est le dimanche 5 janvier. Désolée de vous rappeler ça, mais je vous souhaite une. Vu que demain c'est la rentrée, je vous souhaite une bonne rentrée. Ah ouais, j'avais oublié de vous dire, ça c'est un pull Harry Potter et c'est Serpentard. Voilà. Alors voilà, j'espère que votre rentrée va bien se passer. Et si cette vidéo vous a plu, dites-le-moi en commentaire. Ah oui, et aussi, je vais bientôt vous poster la vidéo que je vous avais dit, je crois, dans mon Vlogmas numéro 25 de la vidéo sur mon gars de danse de l'année dernière. Alors, cette fois, c'est vraiment la fin. Alors, si cette vidéo vous a plu, parce que maintenant j'ai l'habitude de dire vlog, si cette vidéo vous a plu, dites-le moi en commentaire. Bye! Et c'est la fin de vidéo la plus longue aussi, 2 minutes 30. Au revoir, bye!